Allez, il attente. On va voir pour nous si ça passe après. Il a un bon pneu arrière, mais... Ah, ça passe, ça passe. Elle est légère. Tu veux essayer? Moi, je vais essayer, j'ai un pneu. Mon pneu, il est usé. Si moi, ça passe, toi, ça passe. Oh, c'est vachement gras, quand même. Gauche, à gauche, ici. Énorme. Ah, il va faire pareil. Il passe pas dans la bonne ornière, mais il va... Ah, ça arrache. Mais son pneu, il est neuf. Donne des coups. Des à-coups. Tu lâches, tu relances, tu lâches, tu relances. Ah, c'est bon, c'est bon! Allez, 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 allez! C'est bon! Ah, c'est beau ça! Allez, allez, allez! Magnifique! Allez, gaz, gaz, gaz! Ça passe tout seul! Oh. On va peut-être le passer à droite. Mais bon, ça passe, oui. Doucement, doucement. Oh, par main. Ah non, je me suis pas mis dans la bonne. Parce que là, si je vais là, je vais tomber à gauche après, je pense. Ah ouais, ah super. Ça va aller, wesh. Non, c'est l'arrière. Je sais pas si tu arriveras. Ouais. Hop là. Merci, super. Oh, oh l'enfoiré. La vache. Oh pardon. Oh, oh, je te voyais plus loin que ça. Hey, j'ai fait des bons, mais elle passe pas. Hein. Oh putain, la vache. Les bons que je fais. Elle est dure, hein? Putain. À 3, ça devrait aller quand même. On recule un peu pour prendre l'élan. Alors, une fois que t'es passé, fais gaffe parce que ça va vite, hein.
Bon, 1, 2, 3. C'est bon, c'est bon. Hop là. Super. C'est bon. Allez, on est bon. Oh la marche. Oh punaise ce truc là. Petite montée. Je vais la faire en restant assis parce qu'avec les arbres là. Ah ah, j'ai pas su. Ouh. Tout va bien. Tu prends au niveau de la poignée là et en dessous. Attends, vas-y, vas-y, vas-y. Ça c'est fun. Gaz! Il est énervé! Je vais faire une belle ornière pour Greg. Voilà. Voilà. Avec tout ça, je vous ai pas présenté les gens. Donc là, en fait, c'est une reconnaissance, une pré-sortie pour voir comment que ça se passe. Donc il y a deux Grecs devant moi. Il y en a un premier avec la MTX R 125 de temps. Juste devant moi, un autre Grec et au ciel que vous connaissez peut-être avec la Husqvarna 701 Enduro. Hop, hop, hop. Et derrière moi, c'est Thomas en KTM 1190 Adventure. C'est lui qui nous guide, mais bon, là il est derrière. De toute façon, la trace elle est interminable, il n'y a pas tellement de sorties. Donc il y a juste à suivre. Petite descente là. Ah! Pas se louper ici, hein. Oh là, oula, il a failli. Wouh, tu vois, hein. Faut pas grand chose. Hein. Ah, j'ai cru qu'elle montait vraiment là-haut, mais là, on va la faire tranquille. Voilà. Tiens, mon pneu est pas totalement mort, il marche encore bien là. Le mitas à l'arrière.
Oh! Il s'est arrêté, il a failli tomber à droite. Oula, oula! Putain, il m'a fait peur! J'ai cru. Oh, j'ai cru qu'il allait faire un soleil là. Ah putain, ça va être chaud ça. Tiens, tu peux descendre là s'il te plaît pour. Au cas. Au cas où, c'est juste au cas où je tombe à gauche. Tu peux les rattraper par les crash bars. Parce que là, comme ça va ripper. Ah, ça va, il y a de l'adhérence là. Attention à l'arrière. Ah, je vais ripper. Nickel. Ouais, il était bien profond quand même. Oh non, ça c'est court ça. Il est profond quand même, hein? Ouais. Ça touche pas, c'est bon ça. Alors j'essayais d'y aller le plus droit possible et, pardon, et y aller d'un coup. Donc fais gaffe parce que si je tombe, c'est à gauche de toute façon. Allez, on y va. Il me reste ça. Ah, oh, ça va être chaud. Allez, c'est parti. Ah, je le voyais pas passer d'un coup. Là, elle va. Oh putain. Bon, là, je vais la faire patiner. Elle va se mettre un peu. Elle va se remettre droite. On va d'abord la remettre droite. Voilà. Attends, un peu plus encore. Encore un poil. Voilà. Puis là, on va essayer de monter. Et si jamais tu préfères, j'ai une corde. Attends! Attends, parce qu'elle tombe à droite. Ah. Oh, super, merci. Je vais venir vous aider. Je me gare là-bas. Freine! Freine de l'avant, fais un burn, je te la tire à droite pour la remettre droite. Encore un peu ? Allez. Ouais, ça va aller comme ça, on n'arrivera pas à faire plus. Ouais, t'es sur une racine. À l'arrière. Vas-y, freine, 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 freine. Oh, t'es posé. Monte juste l'avant, elle passera pas d'un coup. Hein. Moi j'empêche de tomber par ici, lui de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant. Je sais plus ça après. C'est passé tout seul. Bon, je suis là au cas où. Attends, attends quand même, on sait jamais, non? Oh, joli! Tu veux le faire d'un coup? Non, ça va talonner et tout. Ouais, tu le fais par étapes. Hein. Je la tiens, c'est bon. Tu peux remonter. Attends, je te la penche un peu de ton côté si tu préfères. Tu veux descendre ou tu veux monter en fait? Alors.
Ah, je la tenais presque. Je me voyais partir, mais... Beau bourbier ça. Je sais, on dévère ici, donc on pensait pouvoir tenir à droite, mais obligé de tomber, regarde, tu vois, il a glissé, c'est ce que je redoutais. Ah bah il glisse tout seul lui. Énorme, énorme, tranquille. Je voulais vraiment être à gauche, puis l'arrière a glissé. Parce que là, je me voyais pas passer. T'arriverais, tu penses, à le tirer un peu? Ça va être chaud, hein. Tu veux que je fasse patiner? Ah, ça passe, super. Ah, je suis encore posé. Je suis encore posé. Je suis sur le moteur, ouais. Si t'arrives à refaire un petit coup... Je suis désolé, hein, parce que ça doit être dur, là. Ah, merci. Ouais. Là, faudrait que je repasse peut-être tout de suite à droite plutôt que là-bas. Oh, je vais me mettre en travers, ça va être beau, là. Ah, ventilateur qui se déclenche, tiens. Oh, ça passe. Wouh. C'est profond. Ah fuck, il doit y avoir des branches ou quoi. Oh, je donne tout pourtant, hein. Elle est dans la sacoche derrière. Ouais, vas-y, tu peux la prendre. Ouvre. Ah, oh non. Ah, il est tombé un peu sur Greg en plus. Ah, oh, cette position. Position caca. Elle racle de partout là. Oh putain, ce trou là. On réessaye. Oh, je suis mort. Je me doute.
Ah, c'est un beau bourbier, hein. Oh! Planté! Planté! Elle bouge pas! Elle bouge pas! Incroyable le truc! Elle s'est posée, elle a pu bouger! Regarde! Elle bouge plus du tout! Ah, ce truc! Ouais! Putain, c'est ouf ça! Oh, ce truc! Ah, rien! Rien! Elle bouge pas du tout! Ah, puis, oh, je suis même pas passé à la première! La première est sur la butte. Voilà, elle est passée. Oh, il faudra un derrière pour lever, je pense. Pouah ! Là, il n'y a pas la première. Bah, là, je vais peut-être la passer, la première. Attends, je vais me remettre dessus comme ça. C'est incroyable, ça ! Bon, bah, on va la repousser normal. Non, non, mais laisse-la en première. Ouais, 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 ouais. Parce que j'ai peur de lâcher et qu'elle cale encore. Vas-y. Je récupère. Là, ici, tu peux vraiment. Là, il faut aller. Vas-y, essaye. Oh! Ah, puis mon embrayage qui est super dur. Incroyable, quoi. Ah bon, on va repartir d'une pause là. Je vous le dis, on est allez technique, super technique cette sortie. Donc ceux qui voudront la faire le mois prochain ou peut-être d'ici 2 mois maxi, eh ben prenez votre courage à deux mains. Allez, vachement fun, mais technique. Je vous dis pas encore combien de kilomètres on a fait. Je vous le dirai peut-être en commentaire ou quoi, parce que vous allez rire. C'est incroyable, on roule pas et on se plante tous les 50 mètres à peine. Parfois tu fais 10 mètres, on se plante. Truc de fou. C'est boueux à crever. Et en fait, c'est plein de racines, donc pour un rien. Dès que tu t'arrêtes, bim, moto plantée. Ah, papa. Je suis peut-être pas passé où il faut, mais en fait c'est le rondin de bois qui m'a gêné là. Du coup la moto elle est posée. Attends, elle tombe. Oh. Viens la tenir à droite. Merci. Je crois que je vais pouvoir avancer comme ça. Saloperie de rondin. Ouais, c'est bon, elle est pas. On peut avancer un tout petit peu encore. Ouais, ça devrait aller. C'est juste le rondin, là. Regarde ça, le saloperie. Il faudrait. Mais il est trop bloqué, on n'arrivera pas à l'enlever. Thomas qui vient de tomber. Bon, c'est pas la première, hein. J'ai pas tout filmé, je pouvais pas, si c'était trop loin ou quoi. On a tout chuté plusieurs fois. Enfin, surtout Thomas et moi en fait. Faut l'avouer. Ça va aller ?
suis crevé.